Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Beyond Good and Evil, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Schling. Allez-y. Bon, celle-là, c'est un classique. J'ai jamais joué. Je connais pas l'histoire. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude. Mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... Hey Skywix, comment ça va? Préviens Paige, j'active le bouclier. Tu connais ce jeu? Allez, allez! Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. C'est vrai. Merci de votre compréhension. Entrez dans la maison et... J'ai jamais joué, je connais pas. Ouais, ça je le sais, par exemple, c'est Paris puis Montpellier qui l'ont fait. Là. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise puis regarde-moi! Hein. Bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir de te follow! Oh yeah! Oh, collé! Je pense que c'est encore une cinématique. Tu vas bien, mon Jeff? Pis toi, mon Skywix, ça fait longtemps, comment tu vas?
Ben, j'y joue moins dernièrement, là. J'ai commencé Fortnite en... Soccer Structure, surtout parce qu'il y a le mode solo. Mais je fais beaucoup de jeux, comme j'ai terminé, près de 40 jeux depuis 2022. Crime, tu es supposé faire, je t'ai pris, je peux te sauter. Wow, je suis pas bon. J'ai pas réussi à le tuer sans me faire tuer. Ouais. Comme là, présentement, je joue à ça. Ben, j'ai commencé aujourd'hui. Je joue à Resident Evil 6. Je joue à Sherlock Holmes. Devil's Daughter. Je les ai toutes jouées, là. Les trois qui avaient disponibles. J'ai terminé les deux premiers. Ben, putain, j'ai terminé le premier et le dernier. Je suis rendu à lui du milieu. Et je joue à The Evil Wedding, un jeu de... Je joue à un jeu d'horreur, là, aussi. Well... Ah, on va pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça! Hey, c'est Gundo. Tu peux me faire un scan? Ok, Yad. Je suis en restructuration de ma chaîne aussi, là. Il y a des grosses choses qui s'en viennent sur ma chaîne, puis je suis en train de tout changer. Blood Hunt. C'est-tu pas comme un Black quelque chose, ça? Dark ou... Mais fais gaffe, il t'a fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Monnaie très appréciée chez... Section Alpha, patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Pour sélectionner... Je vous en prie, mademoiselle. Le devoir des sections Alpha est de protéger chaque citoyen d'Ilis. Merci encore pour ton intervention en choc. Tu vas? Besoin de remontant? Tiens. Merci. Shit, j'aurais pas du coup. Je n'ai plus faux moi, là. J'aime pas trop leur ascenseur moderne. Merci encore pour ton intervention. Ça m'inquiète tout ça, Jade. Les Doms frappent de plus en plus près et de plus en plus fort. La guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps.
Je me trouve actuellement au refuge du phare sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont retenus par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce. Et la prochaine fois, il y aura plus grand-chose à sauver par ici. Coupé ! Hé, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Go ! Merci, Paige. Sans toi, je... Jade ! Jade ! T'as-tu ouvri le sérum ? Bloodhound, c'est pas comme une espèce de jeu de Elden Ring. Paige, ça y est, elle se réveille. Ah, Jade, comment te sens-tu, ma petite? Ça va, Paige. Ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Mais écoutez-moi ce pessimiste! Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour les frics. Segundo... Ah, oh, ok, oui, oui, ok, le nouveau jeu. Ouais, non, j'ai pas joué. Bouclier. Oublie pas que je joue sur Xbox. Le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, hein, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. Écoute un peu, la directrice du centre scientifico, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Pas encore un de tes plans foireux, Segundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Mais tu comprends rien à rien, hein, les porcs. Le contrôle des espèces, c'est importante. Jade récupère ton appareil back et tu vas voir si le Segundo il a les processeurs empourés. Allez, ciao, Bella. Je m'en vais, ciao. Jade, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. www.ilianews.com. Illis Info, la guerre, comme si vous y étiez. Une attaque d'hommes a durement frappé le phare sud. Un reportage exclusif. Ici, sur Illis, la guerre vient encore de frapper la population. Scanalyse, ok. Je suis en train de tout restructurer ma chaîne. Il y a un gros concours qui s'en va, qui en vient aussi. Je vais changer mon logo, je vais changer mes pages de transition, je vais m'acheter une carte vidéo pour faire du RP en stream. Je vais m'acheter une nouvelle chaise. Pablo. Il t'aurait pas mon appareil photo. Il est derrière toi. Je l'ai mis juste derrière toi. Avant de le prendre, je viens de vérifier s'il n'y a pas d'autre chose. Je souhaite le prendre tout de suite. Appareil en phase. Ok, Yad, c'est à toi de jouer. Que ça donne de prendre des photos? Delia Octopotacta. Bonjour Jade. Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Oh, c'est du Pokémon Snap ou quoi? Retrouvez toutes ces infos en détail sur notre site officiel
Ils nous auront tous, ces sales Doms. On va tous y rester. T'inquiète pas. Ici, dans le phare, vous êtes à l'abri. Ouais, j'ai des nouveaux émoticônes. Je vais faire des nouveaux émoticônes. Je vais faire des badges pour les subs. Je vais faire des concepts. Là, je vais faire... Puis aussi, il va y avoir un gros concours. Je vais essayer d'attirer un buzz autour de moi. Si le buzz réussit à marcher, c'est dès que je vais... Si je réussis à avoir le partenariat, il va y avoir une Xbox ou une PlayStation 5 à gagner. Encore heureux, plus qu'on ait une section alpha pour nous protéger. Environ courage, en euros, ça serait environ 2 500-3 000 euros à gagner pour le premier prix. C'est les Doms qui ont embarqué nos parents, hein, Jade? Sûrement. Mais ils sont peut-être encore vivants. Puis je vais améliorer mon... Je vais ramener mon animation comme qu'elle était à l'époque, là. On dirait que je me sens remotivé de nouveau, là. Io Dante Campestre. Tatou des champs. Ils sont de plus en plus rares. Vorax. On en voit de plus en plus. C'est bon, Yad. Je transfère les fricas minables d'Optima Service. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Bouclier activé. Ah, ok, ça me donnait de l'argent, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait sans... Au travail, Jade! Je vais voir au hangar si tout fonctionne. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jade, reportage. M disque de mission en attente. Bouclier désactivé. Bouclier activé. Jade, reportage. M-disque de mission en attente.
capsule de Bruce multipliée par 3 la vitesse de max de votre hovercraft. Restaure une clé de jauge de votre véhicule. Toi, qu'est-ce que tu joues dernièrement, Sky? Tu joues à ce jeu, là, Blood? Oh, j'y arriverai jamais toute seule. Ah oui, c'est vrai, les batteries sont nazes. Oh, j'y arriverai jamais toute seule. Ben, il est où l'autre? Il me dit, viens me trouver ici, puis il est même pas là. Ah, peut-être par là. Ah, zut. Ok, non, c'est là. Ok. Et là, il me chatouille. Aucune réaction. C'est probablement que j'ai pas activé celui de l'extérieur. C'est toi, Jeanne. On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jeanne reportager de cours. Si tu peux le lire maintenant, ça me permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est. M10 de sauvegarde. Il y a de mauvais poils, mais je crois que c'est bon. Essaie de voir ton M-Disc, tu me diras si c'est une bonne image. Je me méfie de ces types, toujours là, au bon moment, comme par hasard. Muy bonito, Yad! Tu uses un lecteur pour accéder aux données. Bonjour, mademoiselle. Je suis mandaté par monsieur de Castellac. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Monsieur de Castellac. Tu le connais, ce de Castellac? Hein? Faut pas y aller, Jeanne. J'échappe le traquenard, c'est trop dangereux. Ma troupe est bloc ou quoi? On a besoin du fric pour se protéger de ces merdas de d'hommes. Tu comprends rien, le porc, hein? Te fais pas de bile, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au masque. Et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel. Jeanne, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu. Heureusement que je suis là pour tenir tout en ordre dans cette baraque, parce que sinon... Ok, ça marche. On est à nouveau connecté sur le monde extérieur. Ami Ilia, la guerre a craché
Belle propagande, propagande. Bon. Rencontrer monsieur. Pousser le générateur de secours pour recharger l'Overcraft. Es-tu là, lui? Ah, il est là. Okay. Un petit coup de main? C'est apprécié. Jade, reportage Enco a vraiment besoin de renflouer le tiroir caisse. Ok, c'est parti. Si tu veux mon avis, cap sur le garage, Mamago. Ok, c'est moi qui t'ai tendu en plus. Pas en forme, l'Overcraft. Faut tenir jusque chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. Faut que je m'envoie ce qu'est le point d'exclamation, j'imagine. Eh ben ça y est, fini. En rade. Oh, maudit Rafio! Et le garage qui est même pas à 300 mètres! Mamago, dépannage, service. Viens te chercher, Saint-Lévis. Mamago, dépannage, service. Salut mec! Alors c'est quoi ton problème? Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago. Hé hey, hé, ça marche! Ouais, c'est surtout efficace pour appâter le client! Mamago, le garage, nanana. Et la vie. Oh, faut sortir de cette boîte de conserve, Jade! Oh, ça commence à sentir le jambon fumé! Salut Sam, salut Jade, content de te voir, je m'inquiétais. Les météores d'Omzi sont tombés chez vous hier. Vous avez pu vous planquer, j'espère. Et tes petits protégés vont bien et la dernière s'est adaptée. C'était chaud, mais ils vont tous bien, merci Sam. Au fait, merci de nous avoir envoyé la dépanneuse. Pas de problème, Jade, c'est bien normal, faut s'entraider entre voisins. Il y a un météore d'Omz qui est tombé ici aussi, non? M'en parle pas, Jade, presque tout le stock part en fumée. Cette guerre, c'est une calamité. Je peux faire quelques emplettes, bien sûr, Jade, fais comme chez toi. Rappelle-toi, notre maman n'accepte que les perles. Hey, Jade, tu le crois, ça? Un météore d'Homs nous a bousillé la boutique! Regarde là-haut!
Salut mon ami, salut Jad. Comment vont les affaires pour toi? Il y a du boulot chez Jad Reportage? Ça va mieux, c'était plutôt calme ces derniers temps. Et là, deux missions en même temps. Bonne chance à toi, Jad. La tête d'ailleurs, t'as pas trop fait de dégâts? On n'a pas eu le temps de déployer notre bouclier. Heureusement, Mama, Heller et Sam vont bien. C'est l'essentiel. Skies. Pose-toi une minute. Tu vas te tuer à courir comme ça. Salut, Allez. Tu aurais quelque chose pour moi? Rocky Kenny, notre Overcraft, qui se fait vieux. Tu as bien fait passer. J'ai exactement ce qu'il te faut. Un moteur Speedcraft pour une perle seulement. Tu n'as qu'à déposer la perle dans le réceptacle, juste à côté du moteur. Accroche-toi, tu vas sentir la différence, Jad. Je te promets. Et en plus, si jamais t'as pas de problème avec, il est très facile à réparer grâce aux POBs. Les POBs? Les petits opérateurs de dépannage. Tu verras, c'est très pratique. On en va dans les distributeurs juste derrière. Merci. Vendu. Monnaie très appréciée par Mamamago, ma chienne noire. Lisa, un moteur Speedcraft à monter. Un moteur Speedcraft, ça roule. Bon travail. Excellent. Impulseur. Ok, c'est acheté. Tu ne regretteras pas, Jad. Les Mamago prodigues. Toujours de bons conseils. C'est bon, le moteur est en face. En place, excuse. Ce monsieur Catella qui tombe à pic. Oui, oui, c'est sûr. Il faudrait vraiment qu'on renfloue le tiroir des caisses. C'est sûr. Tu sais, Enzo, il vend toujours sorte de détecteurs dans les boutiques pour les animaux, pour les perles. Ça nous aiderait sûrement. Besoin d'un remontant? Merci. La radio annonce une nouvelle attaque. Soyez sur vos gardes. La
aurait dû sauvegarder. Ok, là, c'est comme ça. Alerte générale, déployez les... Il attaque les bateaux, il faut les défendre. Il tire sur les pêcheurs, Jade. Vous approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Merci de votre compréhension. C'est pas grave. Mademoiselle Jade, Monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'île aux Noirs, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Mademoiselle Jade, monsieur... Hé, Jade! La bande à casse bleue. C'est sûr que ça peut intéresser le centre scientifique. Famille des scorpénidés. Très délicate à photographier. Ok, c'est là-dedans. C'est par où déjà? Porte sud, droit devant. Sur ta planète, aidé par les êtres du Sphéris, les Midos. Hé, ça crame là-bas! Les Meteor Domes ont traversé le bouclier! Dans ta cité. Faudra qu'on soit super prudent, Jacques. Chaque jour, les attaques s'intensifient. Thank you.
Il a dit vouloir entrer. C'est sûrement une entrée que j'ai pas vue. Appel à témoins. Les traîtres du réseau Iris se terrent quelque part sur Iris. Forte récompense pour toute information. Mademoiselle Jade, monsieur... Non, je l'avais dedans, cadré, là. Parfait. Je date et j'archive. Bon, elle est où la porte pour entrer là-dedans? Ça? Ah, elle est là. La misère à trouver. Bon, moi, ça m'a permis de trouver de l'argent. Bonjour, mademoiselle Jade. Mon patron, monsieur de Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Les sections Alpha prétendent repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres Doms ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Ok. Et deux Petrolimax, mademoiselle, ceux-là seulement dans les monstres d'hommes. Nous savons que vous effectuez parallèlement pour les centres scientifiques un recensement de la faune alienne. Le monsieur de Castellac s'intéresse exclusivement aux Petrolimax. Pas super clair, son crobard de bestiole. N'inquiète pas, à mon avis, quand on tombera dessus. On comprendra pourquoi il n'y a pas de dessin plus précis.
Prendre en photo le couple de Petrolimax. Bonne chance. Et souvenez-vous, monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Ok. On va lui trouver ces vers de terre. C'est là, fallait j'aller pour trouver ça, les gars. Jad, viens voir, s'il te plaît. Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. 2 ans de travail dans le plus grand secret. L'aboutissement d'une carrière. Ma petite merveille, les Jet Boots. Elles fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, 2 turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal, Jade. Super. T'es proche? Si tu veux une autre démo, je suis à ta disposition. C'est parti. Hey, et pourquoi tu m'avais caché ça? Oh, il fallait que je peaufine les derniers réglages. Touche plus à rien, c'est nickel. Bien joué, Jade. Carte. Hey, Jade, y a le plan. C'est l'occasion de tester ton scanalyseur. Fais-en une photo. Superbe cliché. Donne-moi ton signal, Jade. Maintenant. T'as vu ça? Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur gond. Ouais, mais fais gaffe quand même. Quand on les énerve, ils sont incandescents. De moins, ils sautent. Allez! On y va! C'est là?
Méfiez-vous de ces anémones mutantes. La banque centrale paie 5 unités pour chaque cristal de matériel. Un cristal de materia. Il est transféré illico à la banque. Il paye mucho unité par caillou. Good, good. Fais gaffe, Jade. Et je comprends. Jade, viens voir. Il va nous falloir du matos si on veut passer par là. On est dans une ancienne mine. Il y a sûrement un local à outils ou quelque chose comme ça. Attaque Jet Boots! D'accord. Oh, je suis pas outillé pour ça, moi. Maintenant. On y va. Excellent. Des Crochax? Ne les approchez surtout pas. Ok, ta pellicule est terminée. Bravo, Jade. Je te transfère le zoom. Et je réinitialise ta pellicule. Merci! Wow! Tu m'en veux ou quoi? C'était quoi, ça? Crochax. Il y en aura d'autres, Jade. D'habitude, ils attaquent à 2 ou 3. Attends! Mais pas un tour de rein, bon sang! Par là, à mon avis, ça bougera plus. Stage. Petit gros.
Dadou, des bougnas. Ah ouais. Allez, tâtez du bidon. Sac à flotte. Ah, ces petites méduses, lumière parmi les ombres. Elle est magnifique. D'ordinaire, les Alicia vivent dans l'eau. Donne-moi ton signal, Jade. Les grosses sont des mutantes. Prudence. Hein? Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime. On devrait sûrement trouver un truc dans ce Clockabins. Ouvrir ça. Oui. Merci, Jade. Les mouches sont injustement mal aimées. Une mouche à marde. C'est bon, c'est numérisé. Tiens, ça, c'est pour le spécialiste. Ouais! Une Barranco D53 modèle à percussion cisaillement. Je la prends. Ça, ça pourrait être utile. Identification compte. Ok. Astarkos, régénère votre énergie d'un cœur. Astarkos, régénère votre énergie d'un cœur. Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. J'espère que c'est pas le couple que je viens de tuer qui était... Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris.
Alors c'était tout pour l'aventure du jeu Beyond Good and Evil Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!